Vas a ser destruido. Je n'ai plus assez d'esprit. Je dois attendre. Bon boulot, vraiment. Je ne peux pas encore le faire. Thank you.
encore le faire. Vous avez perdu. C'est le courroux d'Itar. J'ai l'impression d'être si loin de tout. Difficile de se souvenir que notre monde est toujours assailli. Je suppose que c'est pour cela que nous devons continuer. Thank you.
Les nouvelles ne sont pas bonnes, mon ami. L'éclat a révélé les projets de Maltael, et c'est encore pire que ce que j'avais imaginé. Il veut utiliser la pierre d'âme noire pour capturer toutes les essences démoniaques, même celles qui persistent dans le cœur des hommes. Si la pierre est modifiée pour arracher l'essence démoniaque de tous les hommes, femmes et enfants de sanctuaire, tous mourront. Nous pouvons encore l'arrêter. Il nous suffit de prendre d'assaut la forteresse. La voie est libre. Forteresse de Pandémonium. Lorsque j'ai affronté Maltael, mon épée l'a traversé comme s'il n'était que de l'air. Il est à la fois mort et en vie, insensible aux dommages physiques. Votre force ne sera pas suffisante. Pour le vaincre, vous devrez canaliser la puissance de la mort, tout comme lui. Que dites-vous des esprits rassemblés en bas? Le pouvoir des morts. Si vous pouviez ne faire plus qu'un avec lui, vous deviendriez comme Maltael, et vous pourriez l'affronter. Mais vous devez trouver un moyen sans attendre. À chaque moment qui passe, ils sont des milliers à mourir. Et la puissance de Maltael croît au-delà de tout ce que j'ai jamais connu. La forteresse me semble étrange et nouvelle. Alors que je suis venu ici d'innombrables fois, en tant que champion et libérateur. Elle change pour s'adapter à la nature de celui qui la dirige. Mais je ne l'ai jamais vue ainsi quand elle était sous le contrôle d'un ange. Cette forteresse est le reflet de ce que Maltael est devenu. Mon fils. Loué soient les dieux. Un moine d'Ivgorod vient à nous en ces temps perturbés. Patriarche, mais vous étiez bien vivant il y a seulement quelques mois. C'est bien vous.
J'ai besoin de votre sagesse. Maltael est protégé par le voile de la mort. Je ne peux pas le blesser. Pour attaquer la mort elle-même, vous aurez besoin de plus que ma puissance. Trois autres patriarches ont été tués par les fâcheurs de Maltael. Vos esprits sont en prisonnés et accompagnent le cycle de la Renaissance. Libérez-nous, et nous joindrons nos forces à la vôtre. Même la mort ne pourra plus vous échapper. Aucune âme vivante ne peut toucher le dieu de la mort. Mais nous ne sommes plus en vie, et ce qu'il reste de notre puissance vous aidera à l'affronter. Les autres dieux s'opposent à lui. Mais vous seul pouvez porter le coup qui en viendra à bout. Je ne vous décevrai pas. Maltael a rassemblé ici de nombreux esprits. Trois des patriarches tués par ces faucheurs se trouvent ici également. Nous tentons de nous opposer au contrôle de Maltael, mais sans succès. Patriarche, vous étiez en vie la dernière fois que nous nous sommes vus. Les faucheurs de Maltael m'ont tué, ainsi que trois autres patriarches, lorsqu'ils ont attaqué Ivgorod. Mon chemin s'illumine.